Alors, le dernier juste, point. Ah, pardon, excuse-moi, juste, Christelle. je fais une intro juste pour dire que là, sur le, le choix du nom, Oui. on va faire un vote à main levée par rapport aux deux choix qui nous restent. D'accord. Donc, c'est juste pour vous donner la OK. procédure. On ne va pas faire un petit Ouais, bulletin non, non. caché, enfin, je ne pense Ouais. pas. Surtout qu'on a, on a eu déjà l'occasion d'en discuter à Oui. différentes instances. Ouais. Donc, on remercie tous les habitants qui ont participé. On a eu plus de 100 noms, je crois, Ah, 101, je sais pas. 100 100, 100, propositions. Combien? 101, 101. 101. 101 Ouais. propositions. Derrière ça, on a eu un COPIL, un comité de pilotage qui réunit les élus de toutes les composantes du conseil municipal. Ça nous a permis d'en retirer 11, je crois, 9 ou 11, je ne me rappelle plus. Enfin, bon, voilà, nos chouchous. On a fait un atelier, c'était 9, c'est ça? 9. Ensuite, il y a eu l'étape du bureau municipal avec donc les adjoints et les conseillers délégués pour réduire à 5. Et on est revenu vers le panel citoyen pour leur demander de nous laisser quand même au choix, le dernier choix à faire symboliquement au conseil municipal de ce soir pour ce nom. Et donc, ils ont réduit à 2. Et je te laisse annoncer les lauréats. Oui, donc tu as presque tout dit, Christelle, merci. Il ne me reste plus grand-chose à dire. Non, mais c'est important ce que tu as dit parce que depuis le début, hein, concernant la réalisation de ce projet, il y a une véritable concertation, qualifiée de dialogue citoyen, après on lui donne le nom qu'on veut, qui a été organisée avec différents ateliers. Je pense que tu pourras en parler mieux que moi, Patricia, puisque ça relevait de ta délégation sous le précédent mandat. Donc il y a eu un travail important de réflexion qui a été initié et partagé avec la population, avec différents ateliers bien en amont pour réfléchir à ce que pourrait être ce projet. C'est vrai. Et donc le choix du nom, en fait, s'est inscrit dans cette continuité. Hein. Je ne reviens pas sur ce que tu as dit, Christelle, où tu as réexpliqué quelle a été la démarche, donc sollicitation de la population, et après toute la démarche à suivre, comité de pilotage, etc., pour arriver à ce choix qui vous est proposé ce soir, donc, puisque le bureau municipal, in fine, après le panel citoyen, a retenu deux Non, c'est le panel citoyen, autant pour moi, qui a retenu deux noms sur les 5 restants proposés par le bureau municipal, donc qui sont l'échappée et l'autre jardin. Alors le nom, ce n'est pas neutre, hein, ça contribuera bien évidemment à l'identification de ce lieu. Il y avait j'allais dire, presque un cahier des charges, enfin des contraintes dont il fallait tenir compte. Il faut savoir que, vous le savez, on a fait le choix aussi de solliciter un comité d'artistes pour la désignation d'un artiste qui sera appelé à travailler sur le nom et sur une œuvre, donc qui sera peut-être au niveau du parvis, enfin au niveau de cet emplacement-là. Et donc l'artiste qui sera retenu sera appelé à travailler sur le nom et très certainement aussi sur sa déclinaison graphique, puisque le nom sera utilisé sur tous nos supports, hein, les courriers, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de communication. Donc ce n'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose d'important, le choix du nom au travers de l'identification de ce bâtiment, et pour que là encore les habitants s'approprient le lieu. Donc il nous reste à nous faire le choix du conseil municipal, donc deux noms. Je ne commenterai pas. L'échappée et l'autre jardin, même si l'autre jardin me fait penser gentiment, c'est très personnel à Voltaire et Candide. Hein. Moi, c'est l'épreuve que j'ai eue au bac, c'est pour ça que j'y pense en philo. Voilà, il faut cultiver son jardin, Voltaire, Candide. Voilà, écoutez, le choix appartient à chacun, son âme et conscience. Donc, comme l'a dit Christelle, je vous propose de voter dans. Pardon? Ah Oui. oui, ah, bien sûr, oui, autant pour moi. Excusez-moi, oui, tout à fait. Bien sûr, pardon, hein. Oui, bien sûr. Merci. Moi, ça me fait assez rire, l'autre jardin, même si je. Alors, les deux me font. Oh, rire, c'est pas le terme. C'est assez révélateur, en fait, surtout l'autre jardin, quand on voit le manque d'espace qu'il y aura autour de cette médiathèque, qui.
qui a fondé et qui continuera à fonder notre désaccord sur cet emplacement. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que moi, je ne vais pas reprendre ce que disait Marie, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. On sait ce que tu vas voter, alors. Mais je trouve que franchement, là, c'est très révélateur que ce nom apparaisse, ce terme apparaisse, l'autre jardin. Comme si c'était évocateur que, ben oui, c'est effectivement, on va manquer un peu de verdure, quoi. Si ce n'est que voir à l'horizon la verdure de... cet EHPAD que s'appelle la Sanglerie. Alors, en espérant qu'un jour, ils ne vendront pas leur bout de jardin, ce qui ne restera plus rien. Donc, c'était ça, moi, que je voulais partager. Alors, l'échappée, ça va un peu dans le même sens. Excusez-moi, ça me fait un peu sourire, quand même, l'autre jardin. Et puis, je suis d'accord avec toi, quand même, sur le fait que Candide, Voltaire, ouais, cultivons notre jardin. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, ne prends pas mal ce que je vais dire. Mais sauf erreur de ma part, et tu vas affirmer ou confirmer ce que je dis, mais il me semble que, et c'est normal, dans le cadre d'une campagne, chacun porte les projets de son choix, il va de soi, et après c'est la population, les électeurs qui tranchent, mais sauf erreur de ma part, et à considérer que ma mémoire soit défaillante, mais il me semble, et tu as raison de souligner qu'on ne partageait pas le même choix en termes d'implantation, nous on a pris une décision, un choix qui nous appartient et qu'on assume au sein de notre équipe, mais il me semble que, en ce qui me concernait, sauf erreur de ma part, le choix c'était plutôt Agnès Varda, non, une réhabilitation. Alors on d'Agnès avait Varda. Deux choix, effectivement, c'était Agnès ça. Varda en c'était termes ça. De se réapproprier à moindre coût, ouais. Hein, et d'accord. Maîtriser les coûts dans un... D'accord. Quelque chose qui existe déjà, effectivement. Ouais. Et puis le deuxième choix, c'était non loin d'ici, à côté d'Alice Mia, effectivement, d'avoir un complexe où là, effectivement, on aurait pu avoir un peu plus d'envergure, et ouais. En tout cas pour le côté évolutif. D'accord. Ça, je pense qu'on l'a assez défendu sur d'accord. Le fait que ça soit restreint. Voilà. Donc ouais. Ça, c'était nos deux choix. Ouais. Ouais. Deux choix qui se défendaient, l'un ouais. Sur... Certainement. Ouais. Sans vouloir polémiquer avec toi, mais quand même, en ce qui concerne le choix d'Agnès Varda, si, on polémique. Espace jardin, c'était quand même aussi un temps soit peu limité aussi. Pardon. Voilà. J'admets que oui. Le choix d'Agnès Varda, notamment, vous avez fait deux choix, c'était aussi limité en termes de, voilà, de jardin et d'espace. Bien sûr, d'espace oui, vert, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on avait un je deuxième juste choix. Juste cette petite. Oui, oui, c'est pour ça, je maintiens. On avait un deuxième choix qui était dans ces grands espaces. Vous allez enlever tout l'espace associatif. Effectivement, je suis d'accord sur cet ancien terrain qui sera certainement, on verra plutôt des immeubles poussés hein, que créer plutôt un complexe culturel sportif où il y avait une vraie passerelle au sens propre et figuré. On est bien d'accord. La polémique est toujours présente. On est OK. On est d'accord. Oui, on est d'accord, il faut nous dire les choses. Mais on va pas entrer dans le débat parce qu'il sera assez long. Non, parce qu'il y a, beaucoup d'aspects. Avec des nouveaux élus aussi. Hein. Oui, oui, non, mais tu as raison. Voilà. Mais tu as bien fait de l'évoquer, je te réponds. Ouais, j'ai pas de souci avec ça. Et, mais au demain, ça pourrait être un. Mais c'est pas le lieu. Et puis on est pris par le temps, mais ça pourrait être un débat intéressant sur ce qui a contribué à formaliser nos choix. Nos choix respectifs. Voilà, désolé. Bon, ça a pris un peu de temps. Donc, il n'y a pas d'autres questions, parce que j'étais pris dans mon enthousiasme précédemment. Désolé. Et non, pas d'autres questions sur les choix à faire sur ces deux noms. Non. Bon, bah écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, le premier nom qui vous est proposé, donc on va voter à main levée, effectivement. Donc, l'échappée. Donc, qui se prononce pour l'échappée, en ce qui concerne le nom de la médiathèque? Alors, qui veut bien comptabiliser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne sais pas si j'ai compté là, je ne sais plus. 13, tu sais 14, tout, 15, 16. Tu ne te trompes pas. Hein. Vous en comptez combien? 19, c'est ça? Ah oui, non, moi je vote deux fois, pardon. Ah bah oui. Ah non. Ah oui, t'as deux voix. Alors. Ah mais je vais voter pour l'autre, mais. Non, c'est pas ça. 18, bon. Bon, donc 18 voix pour l'échapper. Donc on va quand même voter pour l'autre jardin, parce qu'il y a peut-être aussi des élus qui souhaitaient éventuellement s'abstenir, j'en sais rien. Donc, vote à venir sur l'autre jardin. Donc, qui se prononce pour l'autre jardin? Huit. Alors. Un,
9. Et les votes précédents, c'était ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Qui ? Damien, tu t'abstiens ? Moi, j'en ai deux. T'aimes pas ? Ah, pardon. Une abstention. Et une abstention ? Bon. On va y arriver. Tu peux te montrer. 18. Alors, 18 voix pour l'échapper. Et 10 voix pour l'autre jardin et une abstention, hein, c'est ça, on est d'accord. Donc, le nom de la médiathèque sera l'échappée, voilà. Bon. L'échappée belle. Ah oui. Après, les habitants se l'approprieront. Vous savez que parfois, le nom est détourné. Et voilà, c'est amusant et c'est à souhaiter, par ailleurs, qu'il se l'approprie totalement par rapport au choix que nous pouvons faire ce soir.